Vous demandez de la pluie. Voilà, top. Pourquoi il y a plus de monde à l'ombre qu'au soleil? Bonjour, bonsoir, c'est vraiment, on ne sait plus quoi dire. Alors, comme l'année dernière, eh bien, nous allons assister à un concert donné par le président de l'Académie des Télévis, et ce concert va vous être présenté par vous-même et notre délicieuse Marie Botton. Bonsoir à tous. Nous allons commencer par la classe de violoncelle. Évidemment, les violoncellistes, vous direz à tout seigneur, tout honneur, évidemment. Dans cette académie, nous avons plusieurs très grands professeurs, très grands artistes, qui donnent donc des masterclass pour les instruments, pour le violoncelle. La violoncelle, c'est en session 1, ces premières semaines, en fait, d'enseignement. Nous avons reçu Frédéric Boudibert, dont nous avons la chance qu'il soit là, qui va jouer avec ses élèves. Alors, vous savez quoi, ben, je vais l'appeler tout de suite. Frédéric. Vous avez bien sûr la possibilité de manger et de boire à l'extérieur du cloître et également à l'intérieur du cloître, mais disons que vous serez servi à l'extérieur. Mon cher Frédéric, pouvez-vous nous parler de la classe et des élèves qui vont jouer? Bonjour, merci d'être là. Malgré le soleil, il nous faut des chapeaux, absolument. Pour le côté court, le jardin est à l'ombre. Voilà, ben, nous avons donc des gens qui nous viennent d'un peu partout de France. Eléa qui vient d'Avignon, Prudel qui vient de Paris, Cynthia qui vient de Toulon, et notre Benjamin qui a 9 ans, seulement 3 ans de violoncelle. Je pense que vous l'écouterez, à mon avis, pas mal de fois dans l'avenir. Il s'appelle Antoine et il nous vient de Bretagne. Voilà. Et ben, voilà, on a décidé de jouer tous ensemble, c'est un petit peu amusé pendant la semaine, et voilà, on voulait vous en faire profiter. Thank you.
L'ombre avance, le soleil recule. J'espère que ça va être supportable pour vous. Place tout de suite à Soyeon Kim.
semaine, nous avions deux classes de flûte. L'une placée sous la haute autorité de Julien Boudiman, on entendra un peu plus tard, et l'autre qui était placée sous l'autorité de Vincent Lucas. Vincent Lucas, qui naturellement est un très grand flûtiste comme Julien, Vincent Lucas, c'est la flûte solo de l'Orchestre de Paris, entre autres. Son élève s'appelle, enfin l'élève donc, que nous allons entendre, il s'appelle Stavros Pitas. Il va jouer la deuxième romance pour flûte et piano, qui s'appelle Alpha en Yiddish, de Schumann. Originellement, cette romance est écrite pour hautbois et piano, mais les flûtistes s'accaparent beaucoup de choses. Mais vous verrez, c'est très très beau. Il sera accompagné au piano par Nao Takahashi.
Les étudiants viennent du monde entier pour bénéficier de l'enseignement des professeurs prestigieux de cette Académie d'été. Celui qui va arriver maintenant, Chris Sosulo, vient lui du Canada, exprès pour bénéficier de l'enseignement de Louise Bessette. Il interprétera la toccata en mi mineur de Jean-Sébastien Bach. Bach, en ces lieux qui est si opportun de jouer, Bach, dont certains ont pu dire qu'à lui seul, il est la preuve de l'existence de Dieu. Voici donc Chris Sosulo.
Thank you.
de l'écologie française, ce qui était vraiment un chef de ces gilets de vous voyez qu'en fait, ce n'est pas un cliché. C'est très audible. Alors, il y a dans cette académie beaucoup de classes instrumentales, évidemment, mais il y a aussi une classe de chant qui est placée sous l'autorité de Lorraine Lubard, qui est un immense professeur, qui enseigne aussi en France qu'aux États-Unis. Et nous allons entendre l'une de ses élèves qui s'appelle Maria Ruiz Romero. Si vous étiez déjà venu l'année dernière, vous l'avez déjà entendue. Et elle revient pour nous chanter l'air de Nomina de Don Pasquale de Donizetti. Elle sera accompagnée par Alessandro Zuppardo. Et j'en profite pour vous dire que le 2 août, il y aura une soirée entièrement consacrée au lyrique, au chant, ici au cloître, avec des élèves de sa classe. Ne la manquez pas. Merci.
sa fille de Oulara Katsky et Mai Seto. Elles vous interpréteront un duo pour violoncelle, numéro 3, opus 53 de Offenbach. Offenbach, oui, c'est bien lui, de l'œuvre de la traversière. On connaît plus pour l'opérette que pour le violoncelle. Pourtant, c'était un très grand violoncelle. On l'avait même surnommé le Liszt du violoncelle. Il est remarqué à l'époque dans les salons parisiens où il se produisait. Il a également intégré de grands orchestres comme l'orchestre de l'Opéra Comique à Paris. Voici donc, sans plus attendre, Oulara Katsky et Mai Seto pour le duo pour violoncelle numéro 3, opus 53 de Offenbach. Thank you.
Thank you.
Si à présent, un élève qui vient de Chine, il s'appelle Jérémie Chichan-Lu. Il interprétera Mats et pas de Liszt, qui est un poème symphonique que Liszt a composé à partir de sa quatrième étude transcendante. Il a souhaité en fait mettre en musique le 34e poème des Oriental de Victor Hugo, qui parle d'un certain héros ukrainien du nom de Mats et pas. Voici donc Jérémie Chichan-Lu.
été cette semaine l'élève dans la classe de Florent Beaufort.
Elsa Besson, elle a 16 ans, elle vient de Paris, et elle va vous interpréter la danse des sylphes de Joachim Andersson. Joachim Andersson, qui était un grand flûtiste et qui était autre le cofondateur de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, ce magnifique orchestre. Voici donc, sans plus attendre, Elsa Besson.
Pour la place d'Emmanuel Strosser, vous allez entendre Sayuri Abe, une autre étudiante qui vient du Japon. Elle interprétera Alborada del Grazioso de Ravel. Il s'agit de la quatrième pièce des miroirs de Ravel. Alborada, c'est un chant du matin espagnol, et del Grazioso, c'est un terme qui est employé en réalité de manière péjorative, puisqu'il cherche à définir un homme d'âge mûr qui cherche à user de tous les artifices possibles pour pouvoir séduire une jeune femme. Voici Sayuri Abe, Alborada del Grazioso de Ravel.
relation très forte, je trouve, qui existe entre la musique française et la persécution d'un artiste japonais. Alors nous restons dans le domaine du piano. Nous restons dans le domaine du piano avec la classe de Jean-Marie Côté. Nous allons entendre le premier mouvement de la deuxième sonate de Scriabine. Scriabine qui était un compositeur russe, qui avait une particularité des latins de ce qu'on appelle la synesthésie. C'est-à-dire qu'il associait complètement le son et la couleur. Quand il entendait un son, il voyait une couleur. Il la voyait. Comme par exemple, moi je vois cet arbre. C'est un particulier. Et donc, son œuvre est composée nécessairement avec cette qualité. Voilà. Donc nous allons entendre Antoine Coq, qui est donc un élève de Jean-Marie Côté, dans le premier mouvement de la deuxième sonate de Scriabine.
Terre, sa Lune, sa Sainte Lune. Il y a besoin de le bon moment de la société, madame, mais ça s'arrête. Thank you.
Thank you.
d'autres professeurs, d'autres